Je vais tester aujourd'hui les pires et les meilleurs mythes sur les Clombo. Restez bien jusqu'à la fin, vous risquez d'être vraiment choqués. Apparemment, si on nourrit un Clombo avec une couronne, il est censé nous donner des armes légendaires à tous les coups. Alors tiens Clombo, voici ma couronne. Ça fait un peu du mal quand même de donner ma couronne au Clombo les gars, mais bon, c'est pour le bien de ce défi. Gros ! Non, il m'a donné une arme verte ! Bon, on peut dire clairement que ce mythe ne fonctionne pas. Apparemment, si on donne un piment en Clombo, il est censé marcher plus vite. Allez, c'est parti pour tester ça. Voici un piment, monsieur le Clombo. J'espère que ça va fonctionner. Attention, je croise les doigts. Bon, y a rien de spécial qui se passe en vérité. Est-ce qu'il marche plus vite? Ça, je sais pas. On va voir en jetant un autre piment là. Voyons voir s'il marche plus vite. Oh, what? Les gars, on dirait bien qu'il marche plus vite. C'est un truc de fou. Vous avez vu, il a comme couru. Je sais pas si l'effet marchait vraiment ou pas, ou c'est parce qu'il était excité à l'idée de manger un autre piment. Mais là, maintenant, on dirait bien que bah il a toujours la même vitesse. Donc, je pense que c'est un mythe qui ne fonctionne pas. Apparemment, il est possible de pouvoir faire des bottle flips sur un Clombo. Testons voir les gars si c'est possible de faire un bottle flip sur un Clombo et. Oh, let's go, oui c'est possible. Mais attendez, la bouteille elle part. Je suis mort, mais en tout cas le mythe est confirmé. Apparemment il est possible sur le mode créatif de Fortnite, en rentrant ce code deal, d'avoir toutes les armes qui ont été supprimées du jeu. C'est parti, on saute dedans. Normalement quand le jeu se lance les gars, il y a un endroit, un passage secret que je vais vous montrer, qui nous permettra d'avoir tous ces objets secrets. Il faut ici aller à droite et regardez, ici il y a comme une porte invisible. On la pénètre et attention, regardez ça les amis, les gants de Thanos, le parapluie, les armes de Deadpool. Waouh, c'est vraiment incroyable. Regardez même le bouclier de Captain America. Il y a vraiment toutes les armes, c'est vraiment trop cheaté. On va essayer de réclamer un objet les gars, mais j'ai tellement le choix, je sais pas quoi choisir. Oh les gars, regardez, il y a le sabre laser de Kylo Ren. Wow, ça fait trop longtemps que je l'ai pas eu en ma possession. C'est parti, on va le demander. Attention, let's go, j'espère qu'on va l'avoir les gars. What, c'est quoi ça? C'est quoi ce message? Je viens de me faire troller. Non, moi qui pensais que j'allais pouvoir avoir le sabre laser de Star Wars, c'est pas possible. Apparemment il existe un glitch qui nous permet d'utiliser les gants de Spider-Man à l'infini. Testons voir ça les gars. Du coup on a les gants de Spider-Man juste ici. Le glitch il est très simple. Il suffit tout simplement de tirer une ficelle de Spider-Man et en même temps dégoter sa pioche. C'est parti, on va tester. Oh les gars, regardez ça! Je n'ai plus les gants de Spider-Man dans ma main et pourtant le fil est toujours là. Et comme vous pouvez le remarquer dans mon inventaire, les gants de Spider-Man sont toujours complètes. On va recommencer. Oh les gars, regardez, il y a deux ficelles qui sont collées. Mais attends, c'est génial! Et comme vous pouvez le remarquer, en quelques instants, j'ai réussi à accrocher toutes mes ficelles sur le pont, juste ici. Regardez ça, c'est vraiment incroyable. Ça reste collé à ma main, c'est juste génial ici. Mais je peux continuer à utiliser les gants de Spider-Man. Regardez ça, les gars. What? Oh, c'est clairement le meilleur glitch, les gars. C'est le glitch le plus fun, j'ai jamais vu ça. Wow, regardez ça, c'est incroyable. Il y a une tempête qui se dirige droit vers le pont. Et regardez ce que ça fait quand j'ai mon planeur, les gars. C'est juste incroyablement beau. La question que je me pose, c'est est-ce que la tempête va casser les fils d'araignée, les gars? Oh, oui, la tempête casse mes fils d'araignée, les gars. Non, non. Oh non, c'est pas vrai. Foutu tempête. Bon, c'est pas grave. On est parti du coup pour le prochain mythe. Apparemment, pour ne pas se faire toucher par un Clombo en colère, il suffit d'être sur une zipline. Voyons voir si ça fonctionne. Du coup, là, je suis dans la zipline et je suis en train d'agresser le Clombo. On va voir là. Attention, là, je suis en train de vraiment l'énerver là. Est-ce qu'il va réussir à me toucher ou pas? Telle est la question. Oh, c'était chaud. Il a failli me toucher mais il m'a pas touché les gars. Allez petit Clombo, essaye de m'attraper. Eh, ça se voit, il est en panique le Clombo, il sait pas quoi faire. Bon, clairement, il peut rien faire. Je pense que c'est ça la meilleure façon de tuer un Clombo, les gars, c'est d'être sur une tyrolienne. Oh, les gars, regardez, il essaie de me tirer des boules de feu, mais ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à me toucher. Eh, Clombo, t'es trop nul. Je pense, les gars, c'est clairement la meilleure façon de tuer un Clombo, c'est de se mettre sur une tyrolienne. Mais bon, comme vous savez, c'est clairement impossible de tuer un Clombo, vu le nombre d'HP qu'il a. Apparemment, il est possible d'aller sur le dos du Clombo avec une voiture, donc on est parti pour tester ce mythe. C'est parti. Vous savez quoi, je pense, je vais faire une rampe au-dessus du Clombo et on va espérer que ça fonctionne. Attention. Oh là 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 là. Est-ce que ça fonctionne? Oh, let's go. C'est un mythe confirmé. Oh, what? En plus de ça, il peut même nous propulser avec son trou. C'est génial. Apparemment, si on pose un mur blindé par terre, il existe une façon de s'en débarrasser extrêmement rapidement. Il suffit juste de prendre une voiture et de se positionner comme ceci. Voilà, là je suis très très bien mis. Ensuite, on va prendre la place passager arrière gauche. Et ensuite, on va prendre une arme et on va viser vers le mur. Et attention, normalement, let's go, ça fonctionne. Mythe confirmé. Apparemment, les gars, il y a un bouton qui existe sur Fortnite qui nous permet d'avoir des V-Bucks totalement gratuitement. Les gars, regardez la preuve, V-Bucks gratuit. Vous êtes prêts? 3, 2, 2, 1...
Oh let's go les gars, je viens de recevoir une carte de 13 500 V-Bucks les gars. Et vous savez quoi, je vais vous l'offrir. Pour participer, il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et mettre le mot V-Bucks en commentaire. Merci aux 10 derniers abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Franchement vous êtes les boches, on est proche des 10 millions d'abonnés. Enfin bientôt. Bonne chance en tout cas pour les V-Bucks. Apparemment il est possible d'utiliser un baril de bouclier sur une voiture. On est parti pour en acheter un, hop ça coûte 250$ juste ici à John Lama. Et justement on a une voiture juste là, on va pouvoir essayer. Attention donc on va mettre le baril sur le capot et voyons voir si ça fonctionne en roulant. Let's go, ça fonctionne en roulant, mais en vrai c'est trop cheaté, c'est trop bien. Mythe confirmé. J'ai envie de tenter une petite expérience les amis. J'ai rempli ce serveur entièrement d'abonnés et comme vous pouvez le remarquer on est tous en train de se diriger vers le Clombo. La question que je me posais les gars c'est est-ce que le Clombo il supporte 100 joueurs sur son dos les gars. Rendez-vous tous sur le dos du Clombo et on va voir s'il arrive à porter tout le monde le Clombo. Attention, voyons voir. Oh là là, regardez tout ce monde les gars, c'est incroyable. Et pendant ce temps là il y a le Clombo, il est en train de manger tranquillement. Les gars je vais faire un décompte, il y a 3, on danse tous d'accord. 3, 2, 1, c'est parti. C'est vraiment n'importe quoi. Wow! Qu'est-ce qui se passe les gars là? Non en fait le Clombo je pense pas qu'il apprécie qu'il y ait 100 joueurs sur son dos. Ah non le pauvre. Félicitations les abonnés, vous avez énervé le Clombo. Le pauvre quoi, franchement. Apparemment les gars il est possible d'ouvrir un coffre-fort en attirant un Clombo juste à côté les gars. Comme c'est possible vous le savez avec des NPC par exemple. Je vais essayer d'attirer le Clombo le plus proche possible du coffre-fort, j'espère que ça va fonctionner. Attention je me mets à côté, est-ce que ça fonctionne ou pas? Allez Clombo s'il te plaît, il faut que tu te rapproches le plus possible. J'ai comme l'impression que le Clombo il veut vraiment pas s'approcher du coffre-fort. Du coup ce mythe n'est pas du tout confirmé les gars, ça a pas vraiment l'air de fonctionner. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu savoir ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Apparemment les parts de pizza ça nous permet de ne pas avoir de dégâts de chute. Et on est là pour tester ça les amis. On va essayer de grimper en hauteur avec des constructions les gars. Hop là je me suis fait une bonne réserve de constructions comme vous le remarquez. Hop on va jeter la pizza juste ici. Et normalement on est censé être sur la pizza. Et voyons voir si on casse la construction. Est-ce qu'on a des dégâts de chute ou pas? Let's go, on n'a pas des dégâts de chute. C'est un mythe confirmé les gars. Et en vrai c'est trop utile ça. Les gars regardez où est-ce que je me trouve. Je me trouve juste ici dans le désert en bas à gauche. Apparemment il est impossible de faire pénétrer un taxi dans cette grotte. Je me suis justement procuré un taxi qui est juste ici. Et notre but c'est de voir si c'est possible ou pas. Il paraît qu'on meurt s'il rentre à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Wesh! Eh les gars ça fonctionne, mythe confirmé. On ne peut pas rentrer dans cette grotte avec un taxi. Je récupère un maximum de construction les gars, parce que apparemment si on construit un escalier jusqu'en tout en haut de la map, la limite. Mais regardez les gars, j'ai grimpé jusque tout en haut avec les constructions et on est tout au-dessus du Clombo. Est-ce que vous pensez que le Clombo il va pouvoir m'éliminer si je suis aussi loin de lui? On est parti, 3, 2, 1. On tire une balle de sniper, on va voir s'il va s'exciter sur moi. Oh oui les gars, regardez, je l'ai énervé, il est tout rouge. Maintenant, est-ce qu'il va grimper toutes les escaliers jusqu'ici pour venir m'attaquer? Je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il va... Eh, attends, il va essayer? Oh non! Oh non, il a cassé ma construction! Il a cassé mes constructions, mais non, mais t'es sérieux? Oh non, 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 oh non, non! Bah du coup, je vais tomber. Est-ce que le Clombo, on a des dégâts de chute quand on tombe dessus ou pas? Oh! Les gars, what? Eh, on vient de découvrir un truc, on n'a pas de dégâts de chute quand on tombe sur un Clombo. Oh, mais c'est génial! En vrai, les gars, j'ai trop kiffé tester tous les mythes et les secrets du Clombo sur Fortnite. D'ailleurs, avant que cette vidéo se termine, n'oublie pas de t'abonner pour avoir peut-être une chance de gagner 13 500 V-Bucks. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas, les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!